Décembre, et c'est le Vlogmas numéro 21, toute logique. J'espère que tu vas bien. C'est parti. Un rouge à lèvres de chez MAC. Alors la teinte c'est... Ah je l'ai pas en plus. Whirl. 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 Ah je suis contente. Ah j'ai un gros poireau. Heureusement que je vais pas prendre une châtaigne. Ah, je cherchais de quoi faire une salade, mais j'ai fait sous blanc. C'est un délire là, non? Ah, quand même, c'est des dingueries, non? Ah, j'ai eu un rire là, hein. Je crois que tu t'es fait carotte. C'est un public difficile. Voilà, j'ai fini, j'ai envie de vous dire, persil beaucoup. Persil beaucoup. Oh! Et je voulais savoir, vous avez galéré pour venir? Oui. Oui. Il y a un truc que j'ai pas compris. Sur le féminisme, moi, m'a beaucoup marqué parce que c'est de loin celui qui a déclenché le plus de haine dans les commentaires. Genre, allez voir les commentaires si ça vous intéresse, vous voulez vous faire du mal. L'épisode du féministe et les portes de l'enfer. C'est un cas d'école, hein, vraiment, les commentaires là-dedans. Sont réunis en fait toute la pensée masculiniste dans cet épisode. Et surtout, c'est le seul épisode qui nous a valu des menaces de mort. Internet, c'est en gros, c'est faire une classification par liste du moins au mieux. Est-ce que c'est genre individuel, chacun place son truc, qu'on en discute et on en discute, attends, c'est un espace libre, c'est le vivre ensemble hein, qu'on célèbre ce soir. Hein. Je sais pas si vous en êtes compte. Vérifier notre pouvoir d'influence, si ça va au-delà de comment on s'habille et qui on vote, voir si c'est qu'on mange aussi comme fruits et légumes. Maga, celle-là, elle est super. Mandarine, après, nous avons des pomelos. Après, ça peut dépasser entre bon et très bon. Okay. On est obligé de respecter les lignes. Ah bah oui, évidemment, toujours. Ah.
Et enfin, les kiwis. Pour le plus. Moi, j'aime beaucoup le kiwi. Les kiwis. Ah, moi, je suis très kiwi. Moi, je suis très kiwi. Plutôt golden. Ça démarre très fort avec l'endive. On enchaîne avec le chou. La carotte. Attention, je pense que lui, il divise également. C'est le citron. La grenade. Pour moi. Appelez le GIGN. La pomme. Goûte absolue, la pomme. Goûte absolue. Ah, oui. Et enfin, le poireau. La mâche du ciel. Le poireau, c'est le poireau d'Antoine. Ah, oui. Je commence par lequel? L'ananas. Ah, j'imagine que là, on va aller chercher le poireau. Bien sûr. Un goût pour tout le monde, l'ananas. Quittez la table. Qu'est-ce qu'il te reste? La mangue. David, il va se passer quelque chose. Je vous invite sur place. Attends. Sans consulter personne. Ah, c'est vrai? Je voudrais que tu... D'abord, il me l'a fait chaud. Après, il a emmené à Las Vegas. Attends, meuf. Ah, il y a eu un délire, hein. Ça va marcher, c'est tout. Ça apporte une dimension avec le zeste ou le jus. Ou même on peut travailler l'écorce directement le frais. Non. Voilà, c'est la fin de la journée. Bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas filmé grand chose parce que, ben, ouais, encore une fois, je travaille et je suis confinée. Je suis encore confinée pendant 2 jours, donc voilà. il se passe des choses et rien en même temps. Je vous dis à demain et je vous dis, n'oubliez pas de, si vous avez bien apprécié le moment, ben, de partager la vidéo, de liker la vidéo. Merci d'avance si vous le faites. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez la vidéo dans l'après-midi. Et je vous souhaite une bonne journée si vous la regardez le matin. À plus. Bisous.